120 combats, 86 victoires, dont 44 par KO. Il a été 3 fois champion de France de Muay Thai, 2 fois champion du monde de K1 et 1 fois champion du monde de Muay Thai. Sous applaudissement, le français Johan Beauséjour. Troisième combat de cette soirée. Ryan, il va pas beaucoup parler. Et Aziz, s'il a un KO, on est mort, on n'a plus de. On n'a pas de gain. Allez, on va prendre un petit peu de poids pour monter chez les moins de 73 kg. L'opposition entre Johan Beauséjour et Shana Chon. Johan qui était là lors du dernier Warriors Night. Qui, oui, il les a quasiment tous fait. Hein. Depuis le quatrième, on a eu un de ses jours à chaque fois à la Warriors. Et qui nous a régalé. Hein. Voilà ce qui lui vaut d'être réinvité. Pour Johan Beauséjour, c'est déjà le 10e combat de cette année 2016, Kamel. Avec un bilan plutôt partagé. 5 victoires, 4 défaites, c'est l'occasion de rééquilibrer, enfin même de faire un bilan positif et d'enregistrer sa 6e victoire de l'année sur ces 10 combats. On peut noter dans cette année 2016 des rencontres face à Jimmy Vieno et sous sa corne pour Johan Beauséjour. Son adversaire, il a 29 ans, il mesure 1m85, 72 kg, 400 grammes, 150 combats, 120 victoires, dont 42 par KO. Il a été champion du Radio Channel en 2010. Vainqueur du tournoi Ichuchu en 2014, champion du monde de boxe thaï en 2015. C'est encore un grand champion thaïlandais qu'on accueille ici à Japi sous applaudissement, le Thaïlandais Shana Chon. Très habitué aux combattants français, Shana Chon, puisque sur ses 4 derniers combats, il y en a affronté 3. Vieno, oui c'est ça, Jimmy Vieno, Michael Françoise et Gaëtan Dombo. Et puis sur l'année, vous en rajoutez un au niveau francophone, c'est Youssef Bouganem. Ouais, pour une défaite cette fois-ci. Combat qu'on avait commenté en tout début d'année 2016 sur l'antenne des CFR Sport 5. Et puis on avait eu l'occasion de le croiser, vous et moi, Kamel, lors de notre périple en Thaïlande au mois de mai pour le Best of Siam numéro 8. On était allé rendre visite à Senshai au Yokao Gym et Shana Chon était là. C'est ça. Ce qui s'y entraîne. Combat international de Muay Thai dans la catégorie des 60. Un Thaïlandais qui mesure 1m85 quand même. En 5 groupes. Ouais, pour un 72 kg, c'est. Oda Esken. C'est très grand. C'est plus grand même que Johan. Mais Johan, quand il a des adversaires plus grands, en général, il n'hésite pas à sauter. A bien lever la jambe. Non. Ah, c'est pas bon. Merci. Qui est de Buriram dans le nord-est, l'une des régions de Thaïlande qui a produit le plus de combattants, et il s'entraîne depuis 3 ans au camp Piqué Senshai Gym à Bangkok. C'est un redoutable Muay Thai, il est fort en genoux, il est grand, on l'a dit et on le voit, champion du monde IMTU en moins de 72 kg,
en 2015, vainqueur du tournoi Isuzu en moins de 72 kg en 2014, champion du Raja en moins de 70 kg en 2010. Il est actuellement classé numéro 9 au Stadium Omnoy chez les 160 livres. Il a battu des champions comme Kamlai Pet, Pet Somwek par KO, Big Ben par KO, Pimaï, Joe Akalam, celui qu'on avait eu face à Yoann Lidon, Ek Chanachai, Siri Monkon. En 2014, il a donc décroché le célèbre tournoi Isuzu. Il est venu en France en mars dernier à Vendôme-les-Nancy à l'empereur Chokdi de Gabriel Aignon. Et il a battu par KO Gaëtan Dambo, qu'on a aussi commenté il y a peu, face à Kaïs Najm. Ah, il l'a affronté deux fois, même, Gaëtan Dambo. On a eu droit ouais, à un déjà super battu en Thaïlande de la part de Beau Séjour, comme toujours. Tu joues à terre, frappe pas l'adversaire. Il avait déjà battu Gaëtan okay. en Thaïlande en 2014. Et puis, en avril, au Thai Fight Karchwek, serviseur, chrono, médecin. Koh Samui dans le sud, il a battu l'anglais Nicolas Carter. Les phalanges, les étrangers ne lui font pas peur. Déjà une victoire obligatoire dans le duel à distance entre la France et la Thaïlande. 2-0 pour les Thaïlandais. Oui, autant dire que ça peut être une charnière définitive ce combat. Allez, les deux hommes en garde de droitier. La responsabilité de Johan Beau Séjour, au-delà de sa propre performance, c'est de continuer à faire vivre l'espoir pour le camp français. Peut-être droit à un premier vrai round d'observation entre les deux hommes, ce qui n'a pas été le cas lors des précédents combats. C'est parti très très vite à l'initiative des Thaïlandais. Ça n'a pas permis d'abréger pour autant. Si, pour Célestin, mais heureusement, le fait de partir vite fait durer moins longtemps. Jean-Charles Skarbowski qu'on aperçoit à gauche, qui nous donne rendez-vous fin février à Bangkok pour le Best of Siam 10. Et l'annonce est tombée il y a à peine 24 heures. Ce Best of Siam 10 qui se tiendra de nouveau au Raja Damyan Stadium de Bangkok proposera une ceinture, celle dans la catégorie des moins de 65 si je ne m'abuse, ou moins de 66. Bref, toujours est-il que c'est Fado Pinka qui s'est vu offrir l'opportunité. Et s'il y en a bien un qui peut revenir avec la ceinture du Raja, c'est quand même bien lui. Ouais, ça se précipite pas, on reste bien en face, on observe les attitudes. Allez, Johan qui tente de passer le crochet, le low kick. Et c'est Johan pour l'instant l'initiateur. C'est bien une petite piqûre à l'intérieur, à l'extérieur de la cuisse en loup-kick pour Johan. N'accepte pas, attention. Attention, pas partir de trop loin non plus. Thaïlande est très prudent, les gardes, la garde bien haute. Sur deux coups déjà, on voit un peu
le calibre avec lequel il est venu. Ah, ça nous change radicalement de ce qu'on a vu avant. D'accord. La prochaine reprise. Dès que tu mets ton anglaise, il baisse ses mains. D'accord. Il baisse ses mains en reculant. Le problème, c'est qu'il recule son tronc. Il recule pas vraiment entièrement. Donc, essaye de rentrer avec du rectiligne en anglaise, avec un direct, et sanctionne avec un crochet. Par contre, t'en mets qu'un seul. Essaye d'être un petit peu plus, perspicace. Essaye d'en mettre un, deux. Essaye de suivre en anglaise. Ok. Tu mets ton direct, il va baisser ses mains. Tu sanctionnes avec deux crochets. Ouais. T'as vu, il fait des retraits de bus. Des petits changements de rythme. T'as vu Te laisse pas endormir. Te laisse pas endormir. D'accord. On n'a pas de bassine. Fais, on essuiera par terre. D'accord ? Donc attention à ça, il va essayer de t'endormir. Au niveau impact, comment tu sens là ? Ça n'a pas l'air chaud. Pour l'instant, ça va. Donc essaye de bien rentrer en rectiligne en anglaise, sanctionne en crochet, sors en low kick. Fais gaffe au middle de ne pas te faire saisir. Tu marques tes points comme ça, il ne reste pas dans son axe. Là, au début, tu sortais du mauvais côté, après tu es sorti du bon côté. Sors pas de son côté arrière, d'accord ? Tu connais la musique. Rentre en rectiligne, sanctionne en crochet, bat-en en low kick. Et ça touche, tu l'as fait une fois, t'as vu, deux fois t'as touché. D'accord ? Donc ça passe. D'accord ? Ça passe. C'est gérable. C'est gérable pour l'instant. Attention au contre, ne t'expose pas, ne te jette pas. D'accord ? Respire bien et te laisse pas endormir par le faux rythme. Il n'y a rien de pire que le faux rythme. D'accord ? Te laisse pas endormir, reste vigilant. T'as la main gauche qui baisse un peu quand tu t'endors. Fais gaffe à ça, à mon avis il l'a vu. Ta main gauche qui baisse, il va essayer de te sanctionner derrière ou sur un high kick ou sur quelque chose comme ça. Donc fais gaffe à ça. D'accord ? Tu coup de flotte ? Ah bah ça, les failles, il a dû les voir. Talonchat, il a passé le premier round à les observer, à les scruter, à les épier. Ouais, non, pas moi. À les identifier. Mais la phase d'observation va vite se terminer pour laisser place à plus d'échanges. Peut-être déjà dans cette seconde reprise avec du rythme. Choc ! C'est à Yohan de déclencher le premier, d'imposer la cadence. Si le Thaïlande ne le fait pas. Ouais, pour l'instant, Yohan n'a pas tellement envie d'être aussi celui qui fait tout le travail. Ouais, droit appuyé pour Yohan de séjour. C'est l'hypercute du bras droit, mais également les points de Shana John en face. Allez, une première vraie réaction pour le Thaï, on ne l'a pas encore vu à l'œuvre. Il prend son temps, Shana John. Là, il trouve une bonne ouverture avec la droite et le coup d'enchaîné. Shana John, mais chez Yohan là. Et pour l'instant, voilà, défaut d'envoyer une jambe derrière, voire plusieurs. Ce que fait Shana John revient à peu près à ce qu'il a fait dans le premier round, puisque les points ne comptent pas. Toujours sur un coup qui touche Shana John en face, la réponse elle est sur 2-3 coups pour Yohan de séjour. Une esquive rotative qui nous faisait craindre le pire, Kamel, parce que c'est vraiment quelque chose que vous déconseillez. Et en relevant, en surrelevant, il a ramassé le kick. Aïe, 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 aïe. Oh, il est debout, mais est-ce qu'il faut tourner, il faut tourner maintenant, éviter l'échange pour Yohan Beauséjour. En un coup. Allez, ça vient un petit peu de ses jambes. Attention, il est encore touché par deux droites. Ah, c'est fini, Kamel. Au-dessus de la tête. Il va pas
réussir à revenir. Il va le compter, mais il faudrait presque l'arrêter déjà. Regarde-moi. 5. Évidemment, six, on voit dans son regard qu'il veut y aller, Johan. Oui, c'est pas qu'il soit totalement déconnecté au niveau de la conscience. J'ai l'impression qu'il est déconnecté au niveau du physique, entre le cerveau et les jambes qui ont peut-être plus trop le porter. Et c'est vrai que ces esquives rotatives passent sur bourse anglaise en Muay Thai. C'est vraiment une très très grosse prise de risque. Et là, il a payé le prix fort, Johan Beauséjour, même si il arrive tout de même à rejoindre son coin. Aïe, aïe, aïe. Et il se regonfle, Johan Beauséjour, en jetant un coup d'œil du côté de son public qui va devoir lui donner énormément de force. Et il veut même rester debout. Pas de chaise. Récupère. Jo, tu sors les mains basses. Tu t'es fait sanctionner comme un débutant. Tu te prends pour un nanar. Tu souffles un coup, tu structures ta boxe. Je crois que ça part d'une esquive il y a deux comptes, un peu basse. Voilà, oui, il descend trop et en se relevant, il a gardé pas là, le bras gauche est trop bas. Alors tu lèves tes mains. Mais déjà cette esquive par en dessous. Ouais, mais voilà, c'est une partie de la boxe de Beauséjour qui fait souvent des esquives spectaculaires et plus encore, des fois ça part même en coup de pied. Super, justement, positif, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ok, donc tu boxes intelligemment. Mais là, il était tout de suite cueilli à la pointe du menton par ce high kick, jambe droite. Au moment où il remonte et cette esquive rotative. Récupère. On redémarre le fight. On redémarre à 0-0. C'est maintenant, Joe. Et dans le coin de Shana Jones, on a Manny Pacquiao. Et tu montes tes mains. Tu montes tes mains et tu boxes. Place ton anglaise. J'ai raison, je les ai mis en photo sur les réseaux sociaux depuis leur arrivée. J'ai cru qu'ils nous l'avaient vraiment ramené, le Philippe. T'entends ? Ça va aller ? Bon. On y est. La caisse. Heureusement que t'as la caisse. Hein. Respire. Voilà. Oubliez ce qui s'est passé. Manny Pacquiao, il devait être devant SFR Sport 5, c'est la nuit dernière, parce qu'on avait un direct en boxe anglaise, dont le résultat le concernait directement. Ah ouais ? Ah bah oui ! Tu t'es fait toucher comme ça, sur un truc de merde. Sur un truc de merde, sérieux. Tu prends en compte, quand tu recules, tu prends mâchoire. C'est même pas fort, hein. C'est précis. Ah oui, la garde, sérieux. On y est, hein. T'entends ? Là, il va s'emballer, hein. Il va se prendre pour le champion du monde, là. Preuve de jeu. Boxe avec ta tête, pas avec tes couilles. Avec ses poings et ses pieds aussi, ça va être bien. Top. Et comment il a récupéré. Il avait déjà pas l'air très inquiet, Chana John, dans les deux premières reprises. Ah, il devra attendre un petit peu, Johan Beauséjour, là, pour se rapprocher, essayer de capitaliser encore un petit peu plus et placer une attaque qui pourrait surprendre le Thaïlandais, mais là, il a peut-être pas totalement récupéré. Ah, ça part trop loin. Ça part trop loin, et c'est donc risqué pour Johan. Il est clair que Joe Pressier n'a pas choisi la facilité pour sélectionner cette équipe thaïlandaise. Il a ramené ce qui se fait de meilleur et on le voit encore dans ce combat avec un Shana Jones toujours très présent. Ah, ça nous rappelle vraiment les années 90 quand même, où ces délégations thaï venaient pas seulement pour gagner mais pour faire un sans faute. Ouais, c'était souvent le cas. Je viens de changer, je viens de en sortir un petit mot avec Joe Prestia. Voilà, ça nous rappelle les France-Thaïlande des années 80-90 où c'était très très difficile de faire jouer égal avec les Thaïs. Ah, c'était l'objectif de Joe Prestia qui a tellement connu, qui a participé, qui a été un des acteurs majeurs justement de cet âge d'or. L'idée de départ, c'était ça, retrouver des affrontements où les tripes parlent parfois encore plus que la technique. Joe Prestia aime les émotions, en donner, en recevoir. Ce soir, on est en train de faire le plein avec ses combats. Là, on a Joe qui n'est pas vraiment un finisseur. Attention, oui, il l'a encore fait. Oh, une esquive
périlleuse, Kamel. Mais vous le disiez tout à l'heure, quand c'est arrivé au second round, c'est son style, c'est son mode d'expression. Il n'est pas schizophrène, on peut pas lui demander de changer du tout au tout. Thaïlandais reste imperturbable, les mains bien hautes. Il attend l'erreur du français. Ah, mais il reste 20 secondes et finalement, la stratégie de Johan pendant cette reprise, on lui aurait peut-être pas nous conseillé. Ouh là là, attention, la saisie, la remise coup de coude à partir de loin pour Sharna John. Elle lui a permis quand même de passer un round de plus et forcément de récupérer un peu. Ouais, et puis une reprise, on a eu un bon Johan Beauséjour qui a commis moins d'erreurs, qui a bien... C'est toi qui fais le match, ok. Par contre, bien mis en difficulté dans le coin thaïlandais sur des attaques coup de coude. Tu lui laisses trop de chance. Oh, amuse-toi, amuse-toi. Quoi qu'il arrive, respire bien. C'est bon, t'es dedans là, Joe. D'accord, il risque de... Par contre, gaffe à ton direct, mets ton direct avant. Parce que là, à mon avis, il va hausser un petit peu la cadence, là. D'accord. Il va essayer de t'avoir au jus. Quatrième. Il va essayer de t'avoir au jus. Un peu d'eau. Ah, il est bien, Joe. Un peu d'eau, pas. Tu veux de l'eau? Un bonhomme. C'est bon, ça gère bien, là. Ça gère bien, tu lui as remontré que t'es revenu. C'est vrai qu'il a bien réagi, Johan Beauséjour. Après, c'est vrai que je vous tapis dans la seconde reprise. Faut aller le chercher, hein. Faut le gagner, ce combat, hein, Johan. Ouais. Allez. On se fait pas compter comme ça, hein. Deux fois, là. Ouais. Donc tu te réveilles, hein. Faut que tu mettes les bouchées doubles, hein. Ouais. On te regarde, là. Ouais. Tout le monde te regarde, là. Bah oui, ouais, ouais. Alors tu vas, mais par contre, tu te jettes pas comme un abruti. Ouais. Tu montes tes mains. Et notre ami Touille dans le coin des Thaïlandais, bien sûr, pour apporter également ses conseils et son expérience. La bouteille, la bouteille, chope. Allez, la quatrième. Et on n'a pas vu grand chose de Sharna John, Kamel, jusqu'à maintenant, il faut bien le reconnaître quand même. Il a eu évidemment les résultats les plus remarquables, les plus probants dans la deuxième reprise. Mais il n'est pas encore sorti vraiment de la tanière. Ah, c'est plus un contreur, il va attendre, chercher à s'engouffrer dans une erreur de Johan Beauséjour. Oh, attention à la rotation. Incroyable quand même le retour de Johan. Après c'est... Ouais, mais ça c'est les signes d'une très très bonne préparation, hein, pour récupérer aussi rapidement. C'est en gaucher, Johan. Le middle saisi, le retour low kick pour Sharna John qui enchaîne également au middle, jambe gauche. Son retour, hein, il est là, il est bien positionné au centre, ouais, du ring, il attaque, place de points, il va chercher au corps. Sharna John qui est toujours un peu trop à l'économie, je trouve, quand même. Bon, c'est vrai, quand on a deux knockdowns dans la deuxième reprise, qu'on a largement... Ah, mais c'est deux dans la même reprise, donc ça fait pas non plus... Ouais. Ouais.
même un Johan beaucoup plus agressif que le Thaïlandais. Attention à ce direct du gauche, ça, ça rentre un peu trop. C'était hémorragie nasale d'ailleurs chez Johan. Encore une grosse prise de risque là, sur. Ah, il va me rendre cardiaque, là, franchement. Sur ses esquives à l'intérieur, juste qu'un genou ou un coup de coude, encore une trajectoire plus directe, plus simple pour Shana John. En tout cas, Johan Bosséjour force le respect. Il a pas seulement tenu, il revient. C'est bien, t'es à l'initiative. Par contre, t'es un chou d'accourt au niveau des distances. Tes bras réagissent plus vite que tes jambes. T'es un peu sur les talons, Joe. T'es sur les talons. T'es sur les talons. C'est la DER. Faut y aller là. T'entends ? C'est la DER, hein, faut y aller. Ok ? Donc là, t'es un peu sur les talons. Comme t'es sur les talons, t'arrives pas à le prendre à distance en anglaise. Tu vois ? T'es sur les talons, donc ton anglaise, elle est courte. T'as vu, tes crochets, ils passent pas loin, ils te manquent pas beaucoup. Hein. Donc essaye de rester plus sur ta pointe de pied et de casser le demi-bonhomme. Et de casser le demi-bonhomme, d'accord ? Là, il faut que tu fasses gaffe à celle-là. Ok, parce que là, à mon avis, il va mettre le turbo. À moins que tu démarres tout de suite. Tu t'endors pas. Fais gaffe à ta main gauche. Ouais. Tu montes ta première et tu travailles. Ouais. D'accord ? Ouais, okay. Tu fais le match, Joe. Ouais. Tu le fais. Si tu veux dans ce combat, continuer sur cette rencontre pour Johan Bosséjour et pourquoi pas faire preuve d'un peu d'efficacité avec ses points. On va peut-être aller chercher le match nul dont on parlait tout à l'heure. Et Jean-Marie Mercher, tu as votre tension à gauche. Lasse-moi un petit cabouf. Également la présence de Mohamed Swat tout près de nous, tout juste installé derrière Rachid Belmiloud du club de Rosny-sous-Bois. Faut pas jouer à ça, Johan n'en doute pas un seul instant de la fierté. Et il retourne encore sur cette esquive, sur le high kick tenté par Shana John. Ah, là c'est dans la coquille. Là, ouais, là clairement. Récupère. C'est un compte de récupération. Il n'y avait pas de volonté de viser bas hein, chez Shana John, mais voilà, des fois ça manque un peu de précision sur les coups envoyés. 7, 8. Sauf sur le passif, c'est bon. Allez, on va voir justement, on se ralentit. Non, juste une fois, d'accord ? Attention. Ralentis qui nous sont proposés par notre réalisateur du soir, Daniel Bersosa, avec les équipes techniques de Jean-Louis Jonas pour CaptaProd. Franchement, Kamel, il n'y aurait pas eu les deux knockdowns. Ah oui, là, mais là, c'est clair. Mais là, il y a eu les deux knockdowns. Oui. Et c'est vrai que... Ça a influencé forcément la boxe de Shana John. Mais est-ce qu'il était capable ce soir de faire tellement plus ? J'en suis pas certain. Hein. Ça va pas se faire fixer.
Le bras gauche, Johan. Le bras gauche. C'est vrai que depuis cette troisième reprise, c'est Johan Beauséjour qui avance, qui fait le combat, qui place le plus de coups. Dommage là, sur cette tentative de high kick, il a manqué d'équilibre. Johan Beauséjour. Je parlais de Mohamed Swan qui vient de remporter dernièrement une très très belle victoire face à Armen Ambarian. Allez, deux cordes. La ceinture un petit peu bas quand même pour cette projection, Shana Jones. Quitte à gagner, j'aurais aimé que ça soit plus classe, plus élégant, plus propre de la part de Shana Jones. Là, on va attendre le résultat, mais s'il n'était pas à la faveur de Johan Beauséjour, ce serait quand même assez triste. Enfin, pas injuste, mais triste parce que vraiment, il a fait tout le boulot, Johan. Il est revenu de l'enfer après le deuxième round. C'est vrai qu'il y a eu cette action dans la seconde reprise, mais une action qui a toute son importance, puisqu'il a quand même été envoyé au tapis deux fois et compté. Johan Beauséjour, même s'il y a eu un très très bon retour dans la troisième, quatrième et jusque dans cette dernière reprise. C'est pas conseillé dans les écoles, Kamel, ce genre d'attitude, mais quel courage, quelle démonstration de courage de la part de Johan Beauséjour. Quelle que soit l'issue de ce qui aura été au final un très beau choc qui a démarré plus lentement que les deux combats précédents, qui a pu donner l'impression d'un fort rythme au départ, mais qui finalement s'est emballé pour atteindre à peu près la même température. 24 points de ce combat. Victoire du Thaïlandais. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'attaques après de Johan Beauséjour, mais bien verrouillé avec une garde bien haute de la part de Shana Jones. Johan Beauséjour. Alors on voit cette action dans la seconde reprise avec ce high kick coup de pied qui vient gifler la mâchoire de Johan Beauséjour. Qui va nous rejoindre très très vite, Johan, parce que on va pas laisser traîner trop les combattants d'après, et puis aussi parce que Johan, on va te laisser, je vais te le tenir. On va pas rester très longtemps avec toi, mais Johan, quelle remontée après les deux terribles knockdowns de la seconde reprise qu'on revoit là. Ça a été un peu à retardement. Il me touche bien, je monte pas la garde en sortie. Ben voilà, et la deuxième fois quand il me touche, c'est que la première fois il m'a vraiment bien touché. Donc pour reprendre, c'était un peu difficile.
parce que ces points, c'est juste un enchaînement de l'Aïki qui met. Donc, justement, il n'y a pas une grosse prise de risque de ta part avec ces estimes rotatives en Bretagne, quand même, Johan. C'est une, un excès de confiance. Ouais, c'est pas recommandé dans les écoles. Hein. Voilà, c'est pas recommandé. Après, voilà, hein, ça passe, ça passe pas. C'est la boxe. En tout cas, il y a eu un très très bon retour après cette seconde reprise. On l'a vu dans la troisième, t'as enclenché la marche avant. J'ai le cardio pour. Et je pense que quand on a. Peu importe le boxeur, s'il a le cardio, il peut remonter. C'est grâce au cardio qu'on peut remonter une fois qu'on est touché. En tout cas, on l'a vu, tu l'as bien mis en difficulté à partir de cette troisième reprise jusqu'au bout, t'as pas lâché. Et au final, même, on a le sentiment que qui a un gros cardio, ça, c'est on sûr. A le sentiment que lui a fait la qualité et toi la quantité, ce qui peut paraître un peu injuste. Voilà, t'as fait presque tout le combat, après, mais sur touche, deux coups, il touche et ça, c'est incontestable. Il me touche, il a des très bonnes jambes, je le savais. C'était sur ça qu'il fallait qu'il fasse attention. Et puis voilà, les Shana Jones, c'est un gros morceau. C'est star, le morceau. Hein, c'est un grand champion. Dommage, ça joue à rien. J'aurais dû mettre plus de rythme dès le premier round. Et j'en ai pas mis. Et je suis dégoûté parce qu'il m'a endormi. Et parce que je m'attendais à qu'il me contre ou. Allez, c'est que parti remise, on est sur le retrouver. Une fois de plus, t'as fait un super combat pour le public qui est venu et puis pour ceux qui nous regardent et en France et en Thaïlande. Merci, bonne récupération, Johan, et à très vite. Bah, c'est reparti. Merci, Johan. Je tenais à remercier Joe Pressa parce qu'il fait partie des promoteurs qui m'a entendu. Et on s'était vu déjà au premier Warriors Night. Oui. Et depuis, ben voilà, ça avance et je suis content, il me fait confiance. Et ben à l'avenir, merci encore à vous deux. Bon, on espère te revoir très vite en tout cas, Johan. Plaisir. Allez, va bien récupérer, il y a le petit fiston qui t'attend derrière. Merci, merci encore. Ciao, Johan.